Salut les amis. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, petite pêche de journée avec mon fils et puis un ami là-bas. Donc on est venu sur le fameux plan d'eau où j'ai pris la carte à l'année à 30 euros l'année. Voir si on peut encore faire des jolies pêches. Donc on est le... J'ai plus ma montre parce qu'elle est cassée. 20 avril. Le 20 avril. On est le 20 avril 2022, normal. Donc on est venu passer la journée ici. Il est très tôt le matin, on est arrivé de bonne heure, mais bon, on a pris notre temps pour s'installer. Donc stratégie, toujours pareil. 4 bouillettes, 4 cannes avec les bouillettes, bouillettes denses, posées au fond sur un tapis de bouillettes. Comme j'ai l'habitude de pêcher. Donc le copain là-bas, c'est pareil, il a fait petit tapis de bouillette au cobra et il va poser trois cannes dessus et puis il a une à ses bordures, une à sa bordure. Donc je vous préférerais pas voir qui c'est s'il veut toujours pas être sur les vidéos. Peut-être qu'un jour ça viendra. Donc s'il prend du poisson, ben, on vous le fera voir hein, quand même. On vous fera voir les. On vous présentera quand même les poissons. Mais pas le monsieur. Donc, comme je disais, lui, pareil, après, il a mis un petit stick sur chaque canne, avec de la bouillette broyée dedans. Et moi, jusqu'à des bouillettes, de toute façon, j'ai plus de stick. Juste de la bouillette en tapis, et puis quatre cannes posées dessus, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça me réussit bien, donc que ce soit en barrage ou un peu partout. Quoi vous dire d'autre? Pas grand-chose, à part que l'on espère faire une déroule et au moins vous faire voir un poisson durant cette journée. Donc on est venu là aujourd'hui, mais je pense que notre pêche sera plus demain parce que on va amorcer ce soir et revenir demain matin. Donc on est surtout venu aujourd'hui. Pour faire un bel amorçage et surtout pour amorcer ce soir, hier, vu qu'on a un petit peu de route. Comme ça, on amorcera ce soir et on reviendra demain matin. Donc, est-ce que la vidéo sera sur les 2 jours ou si on fera 2 vidéos? Ça, on sait pas. Ça dépend de ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est possible qu'on fasse du poisson et qu'on fasse une seule vidéo aujourd'hui et on en fasse une autre demain. Voilà. Donc, je ne m'attarde pas là-dessus. Je mets le caméscope à filmer mes cannes, parce que je ne peux pas prendre les deux trépieds en même temps. Il est un peu loin, le copain, là, comme on avait fait une fois. Donc, je vais faire que mes... Je vais mettre que sur mon trépied, s'il fait un poisson, comme j'ai dit tout à l'heure. On vous le présentera. Allez. Tout à l'heure, les amis. Les amis, je viens de décrocher le poisson. Mais pas rester longtemps au bout de la canne. Pourtant, elle a bien déroulé. Allez, je retends la canne, c'est reparti. La qualité, elle a l'air bien. Voilà, premier poisson de la journée, pris par le collègue. Bravo. Photographe en face. Belle petite coco. Pas énorme, mais c'est un poisson. On a déjà fait le temps qu'il est calme. Allez, fiston affairé, celle-là. Est-ce qu'il va réussir à nous la faire voir?
belle petite miroir de peut-être 5-6 kilos, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? À peu près, ouais, 5-6 kilos. Allez, on va la remettre à l'eau. J'ai rien vu partir. Bon, les amis. Troisième départ. J'avais même pas retendu l'autre. Joli miroir de... Ah, ça doit faire pas loin de 10, ça. J'en sais rien. Jolie petite miroir. Prise à la mouillette. Maïs Crunch Tiger, chaîne vigrier, toujours. Voilà, voilà. On va vous faire voir l'autre face. Bougez-moi quand t'as regardé l'eau. Voilà. Allez. On va la relâcher. Bon les amis, toujours à la même bouillette, de toute façon on pêche qu'à ça. Maïs Crunch Tiger, chaîne vigrier. C'était au fiston de ferré, petite coco. Bon, il se tape les petites, moi je me tape les grosses. Lève-la un peu parce que je vois pas ta tête. Voilà. T'es mignon. Allez, on va la relâcher. On n'a pas le départ en direct parce que on s'apprêtait à aller manger. Donc j'avais éteint le caméscope. Allez, à tout à l'heure. On la relâche. Ah, je l'ai, je l'ai. On a enfin réussi à en filmer une qui en partait. Deuxième poisson pour le copain. Il y a quelques touches aujourd'hui, c'est cool. Avec sa bouillette, enfin la bouillette qu'on avait fait ensemble. Attends, c'est là un peu trop près, voilà. Hop. Voilà. Allez, on va la relâcher. Allez, retourne voir ton élément. Ah, elle est bien comme ça là. Et j'ai réussi à la filmer celle-là aussi. Allez, à plus tard. Bon les amis, elle veut pas trop se laisser faire celle-là. On va se dépêcher. Donc un petit dans les 8 kilos. Hein. Pile poil, c'est ça en plus. Ouais. Donc toujours la même bouillette. Donc moi je suis rendu à deux poissons, mon fils deux, moi une décroche et ben, le copain à deux poissons aussi. Et quelques tirettes, là tu viens d'avoir une tirette. Donc c'est cool, il y a de la touche. Il est pas tard, hein, il est juste il est 13h je crois, un truc comme ça. Donc on n'est pas rendu à ce soir, on verra bien ce que ça va donner le reste de la journée. Allez, vous êtes prêts pour les photos là, c'est bon, elles sont faites. Allez hop, on la relâche. Allez, en espérant que ça vienne dans l'épuisette.
groupe, hein. Oh, pas bien, une belle coucou, hein. Hein? Big fish. T'arrose pas, Wilfried? Vas-y, un coup de flotte dessus. Ah, mon coup en bordure, il est mort. Hein. Un peu sec ton eau, là. Oui, ben... Hein. Elle a été prise, par contre. Ah, tu vois, quand tu veux. Oh, un joli poisson de 11. Belle coco. Je suis trop près. Hein. Lève-la un peu plus, Wilfried. Yes. T'es beau gosse, dis donc. L'autre côté, je crois, il est moins abîmé que là, par contre. Essaye de la tourner. Elle s'est tournée toute seule. C'est ça. Bonjour. Attends, j'aime bien quand ils ont la nageoire comme ça là-dessus. Là, elle se prépare surtout à me. Ouais, voilà. Elle va te niquer. Ah ouais, là, elle est bien la nageoire. Lève, lève. Voilà. Joli. Bien joué, fiston. Travail d'équipe, ça. On fait faire notre poisson chacun notre tour. Et puis elle a une sacrée nageoire. Elle. Sacré départ. Hein. Allez, on va la relâcher, on va la remettre dans son lieu naturel. Allez, retourne chez toi. Oh, joli. Bon les amis, corps à poisson. Bon, elle est à la limite de la cuillère celle-là. Elle a une écaille. Une écaille au niveau de la queue ici là. C'est la seule écaille qu'elle a. Bon, joli poisson de 9,5 kg, c'est ça? Je m'en doutais. Pas bouger. Là, laisse-toi faire. Et moi, elles sont toutes nerveuses. Moi, là, ta commune, elle bougeait pas. Vas-y, la prochaine fois, je prends les communes. Hé, hey, Pépé. T'es mignonne. Ah, tu vois, faut lui dire qu'elle est mignonne. Jaro, tu l'as énervée. Putain, t'abuses, Jarod. Non. Change de côté, hein, peut-être. Voilà. Mais non. Bon. Qu'elle voit l'eau. Si elle regarde l'eau, peut-être que... Sauter vers où? Ça n'a pas l'air, hein. Là. Bouge plus, le maire. Voilà, voilà. Joli petit poisson de 9 kg et quelques. Bon, on s'amuse à les peser parce qu'on est en train de faire un petit concours avec un copain qui est de l'autre côté de la France, là. Toujours à la bouillette maïs crunch. Tiger Shelby grillé de chez LT Bouillette. Donc de chez moi. Allez, c'est le 7e poisson. 7e poisson, 8 départs. Allez, on va la remettre à l'eau.
J'ai dépassé le poteau noir. Sans parole. Bientôt vous coupez les fils. Voilà le fiston, c'est à son tour de ferrer. 8 kilos et quelques. Bien joué. Allez, le prochain départ est pour moi. Good. Allez, on va la relâcher, on va prendre quelques clichés. Ça reste pas mal. Je vais tomber dans l'eau pour aller prendre la vidéo. Tu peux pas la pour les amis, je sais pas si vous avez, si vous voyez, mais cette vidéo, pour l'instant, il y a du poisson. Ça arrête pas. Je sais pas, il doit y avoir. Hein. On pêche beaucoup au rappel là. Donc à chaque fois qu'il y a une touche, on fait un rappel d'une vingtaine de boulettes, hein, c'est ça. Et ça maintient le poisson sur le coup et on fait une touche quasiment tous les trois quarts d'heure à peu près. Donc voilà, on a eu. Il y a quelques départs qu'on n'a pas pris en direct. Pour l'instant, on ne fait qu'une décroche. On est rendu à 7 poissons. Et copain fait deux décroches. Ouais, deux décroches et deux poissons. Deux poissons. Enfin, après, la première décroche, tu sais, il a récupéré juste un montage. Ouais, ça devait être un poisson en laisse parce qu'il a récupéré un bout de fil et un hameçon. Donc à mon avis, donc on verra bien par la suite. Allez. À tout à l'heure, peut-être pour un autre poisson. Tu pourras plus déverrouiller. Tiens, tiens, voir si je peux pas le déverrouiller, moi. Bon, les amis, encore une belle coco. Qui s'est bien battue. Encore un beau départ, assez violent, elle va encore bouger. Tiens. Bon. On va en profiter pour la faire voir de l'autre côté. Voilà. Magnifique coco. Bien puissante. On a mis des bons roches là, ça fait super plaisir. Bon, ben on voit bien que la boulette maïs Crunch Tiger de chêne vigrillé, pas trop mal hein, comme petite bouillette. Allez, on va faire quelques photos. Elles sont faites les photos? Et puis on va la remettre à l'eau. Toujours dans le sac. Ouais. Bon, le copain vient de piquer un bon poisson. On va filmer un peu le combat. Joli miroir, il me semble. Mais il a pas levé. Non, c'est surtout que c'était sa nageoire qui était crochée. Il avait qu'un queue dedans. Non. Bon, mais il décroche le beau poisson et il fait un départ 2 secondes après. Allez. C'est beaucoup plus petit, mais c'est pas grave, c'est un poisson. Tu as un coup de main pour remonter. Bébé de 4,5 kg.
lâcher. Allez, retourne chez toi. Ouais, on dirait un croisement de carcoy. Ouais, t'as vu, elle avait... J'ai pas... Quand c'est comme ça, il y a un proche. Je la reviens là. Il y a là, Jarod. Bon. Encore un joli poisson. Il y a un peu plus de 8 kilos. Allez, on va faire quelques clichés, on va remettre ça à l'eau. Lève là un peu, oui, que je voie un peu mieux. Joli. Allez, on va la relâcher. Bon les amis, les cannes sont rangées. On est en train de finir de tout ramasser. Les cannes sont rangées dans le fourreau. La vidéo va se terminer là. Donc je vais amorcer pour demain, pour la prochaine vidéo. Donc ça sera demain, la journée de demain, mais on va pas pêcher au même endroit. Parce que les gens de la commune sont venus tondre. Et vu qu'on les gênait, ils n'ont pas tondu ici. Ils nous ont demandé si demain on serait là. Et puis il faudra qu'on bouge notre matériel pour qu'ils puissent tondre. Donc on a décidé de se mettre berge d'en face. Du coup on va taper berge d'en face et on va pêcher à peu près à la même distance. Donc je vais ramorcer un tout petit peu plus loin pour pouvoir pêcher de l'autre côté. Et du coup demain on va carrément en face. On sera pas tout à fait au même endroit où on pêchait là, mais à quelques mètres près on sera bien. Donc voilà. Donc là la vidéo va se terminer ici, j'en refais une autre, la prochaine sera la pêche de demain. Donc moi je vais amorcer, je vais vous laisser. Et je vous dis à la prochaine, à l'autre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, likez. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. Ma fille qui fait un coucou derrière. Elle est venue nous rejoindre parce qu'elle habite pas loin. Mon fils qui continue à ranger. Donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais aider à ranger, je vais amorcer. Donc voilà, là c'était vraiment une pêche de folie. Hein. On a fait combien de poissons? 9? 2 en tout. Le collègue là-bas il s'amuse avec ses détecteurs. On a fait 12 poissons en tout? En tout, oui. 13? 12. 12 et un loupé. 12 et la grosse mémère qui a décroché au bord. Comme vous avez vu, et bon, elle n'a pas rentré dans l'épuisette du premier coup, c'est dommage, ça arrive. C'est la faute à pas de chance, comme dirait l'autre. Donc on fait 12 poissons, c'est ça, 9, 10, 11, 12, 14, 15 départs dans la journée. C'est quand même pas mal. Donc nous, on en fait 9 et le collègue 3 et loupe sa quatrième. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'en décroche une aussi. Hein. C'est la pêche, c'est comme ça. Allez, portez-vous bien à la pêche, les amis. Ciao, bye bye.